Oui, c'est des détoiles TQ5, d'Noural, Ronwan, Ton, Wiss, Wahdon, Vain, Nusnkad, d'Noural, et c'est Kiltnevan. Docteur Saïd Saadi, je cours, j'ai une roche, Ayraun Somam, il a dans, si vous êtes ouest, il m'a donné un certain mouisma, Somam, Tsar, Numzruina, Somam, la revanche de l'histoire. أنا واحد من سلوظ كذا كمال أمباري ما ينير الزول فلك كمال زول رشيد زول إجراء ويكني دي ولاد تكسك أكمل سيد سعدين إنك باللي أجاون صوم مكين يساد يحسبي الذكن ذوين إديسك فلن ومازال لاثريس أرثوران أشكون ذوين إديسمكتاين ديما تيكان كاس دو سكيد دوف تي سيلفير نويذ يطفن كاتامبور 62 ذا ساون ما نعمز ما تديني كاس فرانسيس لو كونغري دو لا سومام اي لان دي زيفينمون هيستوريك ا ريزيستي ا لامبوستور اي لا فولي دي زوم أو يفون أرتي تسامض كمال Justement, ça a dit, il n'est pas le congrès de la Soumam, l'un des événements qui résiste encore à l'imposture et à la folie des hommes. À Khatar, c'est un événement qui est dans les moments de crise, justement, le texte fondateur de l'État moderne algérien, qui est le congrès de la Soumam. Donc, ça regarde la Soumam. نخدم مع بن رمضان نهيدي ذوي ديم دو كاليس وديك نهيدي ديس بدن زمرا سنني جوستمون ليتا مودرن الجيريا وينن مازال عاد اسا il résiste malgré que les responsables et les politiciens depuis 62 خدمن كلش يوكن يرنق القرن cet événement important à خاطر c'est un événement qui ne les arrange pas. Le congrès de la Soumam, c'est la démocratie. Le congrès de la Soumam, ce sont des valeurs universelles. Le congrès de la Soumam, c'est la séparation des politiques et des religieux. Le congrès de la Soumam, il ferait être obligé de tout mais c'est la théocratie. Mais les gens qui ont été en depuis 1962, ils ont été justement attirer l'ambiguïté dans la constitution de l'État algérien. Et d'ailleurs, le fait de mettre l'islam religion d'État de la constitution, c'est une manière un peu de brouiller les pistes et d'être en contradiction avec un idéphone, le congrès de la Soumam. Donc ça dit justement, c'est un événement, malgré donc, les résistances, malgré par rapport à l'événement, cet événement résiste justement au pouvoir des tyrans et كاتن مدن يوكن أذفرن أن إفنمون إنك بلي أجدود يزمر أدي في سمشتي ولي ميموار مازال تالي نتد سعنت لور بلاس دونك إنك بلي جستمون لي جون نوسا وفان نون بو دير دي بروجي alternatif par rapport justement à la dictature et par rapport à la tyrannie des pouvoirs installés depuis 62. Et où ça a dit où elle est liée par rapport à sa génération, le congrès de la Soumam, où il y a une justement des valeurs universelles dans la plateforme de la Soumam, c'est de la référence et c'est la belle, il a parlé même de belles épopées du passé récent, c'est-à-dire parce que ce n'est pas l'ancienne histoire, mais c'est un passé récent. Justement, le congrès de la Soumam, c'est une lueur d'espoir, le tunnel, on peut dire, politique, semé par des peurs et des renoncements. Donc, toujours, le congrès de la Soumam, la plateforme de la Soumam représente une lueur d'espoir à Khatar, oui, des valeurs, ils me disent souvent, justement, dans l'impasse de l'âme. Oui, net la rente, justement, le congrès de la Soumam, c'est la seule voie, on peut dire,
Enfin, je parle de l'esprit parce qu'on va toujours actualiser en 2020 Filoufa, mais il est la seule offre politique crédible avec laquelle l'Algérie peut panser ses blessures et construire son avenir. Donc, l'impasse n'taïch, la crise n'taïch, l'esprit de la Soumam peut être une alternative pour sauver Bachid Soviyou ou Nthamour Gelgantila. Vous savez, ça a été dit, je veux dire, en 72, l'affaire de la manipulation de l'éducation, la question de la manipulation de l'histoire, il n'est pas en 72, je fais le sujet de l'histoire, je fais la question en les avancées de la révolution après le déclenchement. Après le déclenchement de la révolution de 1er novembre 54, il n'est billi asmi zram billi isqid dehdar yon fil congrès de la Soumam zram on peut dire le sujet amidili irwa hasni ils n'ont pas contrôlé à khatr on bghan adrng el qarn ayn ishud el marra il congrès de la Soumam bghan ank el chab agdoud el zaïr avisou billi ma illa l'événement le congrès de la Soumam. Donc, il n'est pas les vigiles du FLN, et d'ailleurs, les vigiles, ça renvoie à l'idée, Saïd Saadi, c'est une manière un petit peu de renvoyer, il remonte de Tarjaout les vigiles. Les vigiles, il va être donc, les bureaucrates du FLN, justement, donc, ils se mettent les vigiles du FLN, Boum Dien, il a installé, on peut dire, une sorte de commission pour contrôler les sujets, contrôler le système éducatif. Oui, bien sûr, il est le contrôle, ça veut dire contrôle sous la sécurité militaire. Avec Rachid Soumata, je voudrais dire que Saïd Saadi, il est rare l'événement à Mouina et au Gioud Nelzaïr, le congrès de la Soumam, qui est l'acte fondateur de l'État algérien moderne et républicain et social, il n'admet toujours un tel événement. Toujours, il va faire, on peut dire, sa revanche, il va survenir, il va surmonter en surface et il va être pris en charge par toute une population. الميتا كمال جيرم ويثيدا دي تولي انتي كيو سانكا كاتورات هاد جيرم تام موت ذاك داش على سكوس نايا ماشي داش سكوس كي كان اندا ادابو غاد زايري نا لو ريجيم كي ا كونفيسكي كال لا غوفرنونس نا البيي اورجين تيك ولا كان سيريماني دي سميك تاي كال 1 نوفمبر 5 جويي كي مشى لو 20 le 20 août 56, Orjin et Yves Kron ont été dismissés. Orjin ou Yon Sixin, ils ont été dismissés. Mais ils ont été dismissés. Les drames ont été dismissés avec Tibboun. Nous avons dit que cette fin qui n'est pas légitime. Ou les Yon, ce gouvernement, il a été dit de Tawas Kines, il a été dit que les gens qui ont été dit, ils ont été dit qu'ils ont été dit qu'ils ont été dit de façon illégitime, ils ont été dit qu'ils 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 ont été dit. Justement, ça a dit, justement, et je veux dire, les responsables de l'Alzaïr, ils ont fait le chat d'Hi, si vous voulez, à Dérouh, à Dismictif, le 20 août 56, le congrès de la Soumam, ils ont fait le cas, c'est comme si c'était un non-événement. Et oui, ça a dit, d'abord, il y a déjà, il n'est pas question d'aborder les questions de fond. Le congrès de la Soumam, il est dismifié réellement au fond du congrès de la Soumam, et il est dismifié, il est dismifié, c'est-à-dire la Soumam, par rapport à sa substance politique, par rapport à sa profondeur, et son message, on peut dire, qui véhicule la démocratie, qui véhicule la république sociale, qui véhicule les valeurs universelles, qui véhicule aussi même les préalables démocratiques. Ça, c'est-à-dire, il y a 15 ans, 12 ans, 13 ans, mais je vais mettre tout ça dans ce cas, justement.
وداغن تي سعيد سعدي يجبد دينا بلي ميم الطاس ملي كان لان دي ريسبونسابل الجيريان ام اذ كافي ام اذ ويوت الحاله ال ال زون ال زون تريتي ميم عبد الرمضان دو كيلكان دو ترات كي تراي لا ريفولوسيون وهذا كذ الوهيم انيش الكونغري دو لا سومام كي باتي لي باز et même si on veut faire des recherches approfondies, adnouf bli lo kan machi le congrès de la Souma mais le Zaïr wismaylaq wi fi mountis donc وهذا كانت الوهايم امي كتامور ني بنان سلي خدم ني بنان ستكركاس تزمرات تبد دونك سي بور سا جوستمون ابري نظر ازاف ني هني ساعه تاع لا بارلي ميم دو ماليديكسيون par rapport à Willy Knidlan, il touche au principe et même à la mémoire de la Souma. Donc, alors que justement le congrès de la Souma, c'est grâce à la Souma qu'il y a eu la transformation de la révolte à la révolution. Et c'est pour ça que ça dit tout la même, pour la révolution du 22 février, Nilen, c'est comme si c'était une révolte qui ne sont pas encore trouvés en projet. Il n'y a pas un texte fondateur, il n'y a pas encore une structuration, une organisation véritable. Il n'y a qu'une la révolte du 22 février, un texte qui va traduire les aspirations populaires à des rohiyoun avec quelque chose de bien clair. Mais il faut le remplacer par un autre, donc il faut le préparer. Et pour le préparer, il fallait justement se réunir, il fallait que les acteurs du mouvement se réunissent pour avoir un texte commun, pour avoir une charte de valeurs communes, un texte fondateur, un manifeste, peu importe ce qu'il s'agit, mais l'essentiel, c'est qu'il y ait des valeurs qui sont inviolables et qui va déterminer l'Algérie de demain. Parce que tu veux dire, qu'il y a un tir de lui, d'un juste camp de vote, la démocratie, ce n'est pas l'acte de vote. La démocratie, c'est un ensemble de principes. Donc, c'est pour ça que Saïd Saadi, il y a des gens, justement, les soyeurs de l'indépendance, il a parlé même de petits stagiaires, les dîners, les tsaïens, un mec qui a dit Sroulen, un mec qui a dit Sbaaden, Philoufan et Diusan. يزيدين يبدو سانك الكونغرس الصومام وداير لان شرات بولانت بلي الكونغرس الصومام زعما يتفريق اي وسعد سعدي سميس جوستمون لي بتي ستاجيار يقرا لك سيتي فيي تاكتيك دي زوتو ستوبور بوليتيك دونك رشيد اون فيا بيان روتينير الترم هذاك جو سعد سعدي سوفور دي فورمول الى بارلي لي زوتو ستوبور بوليتيك يقرا لك كي اتون سينيكمون لي ديرني فاكون دو ليستوار pour prendre l'air des révolutions et voler ensuite au secours de la victoire. C'est comme Zayn Itran a rachid en 62, où il a dit que la véritable révolution n'a qu'il souffre de l'Halamra, et où il a dit qu'il n'y a pas de boussouf de l'Halamra, de l'Ansbarra, de Ben Blat, de l'Athis, et ce n'est pas nous, 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 c'est ce qu'on appelle les autopostes pour politique, et où il a dit justement Trajan, les derniers wagons de l'histoire pour prendre le train. Donc, il y a un massacre qui est là. 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 Il saisit l'occasion. Il y a un massacre qui est là. Il y a un massacre qui est là. Il y a un massacre dans le dernier wagon. Ils vont suivre. Donc, Haka Rachid, si vous m'avez dit, oui. تنميه كمال سقسي وسخراض ذاك الدكتور سعيد سعدي اللي توا ساكينس يمسلايد غافو امشي كي قد وناكي غا وكي اسر ذاسان ام سلطان يكرنا كان ثيمونانت نلزير سي 62 ارثورا جوستمون سعيد سعدي ان دي لا يون ووال كي فا كاركتيريزي جوستمون لو سيستيم دو فونكسيونمون ميليتارو بوليسيي خاطر يبنى شو دبوز ماشي فتو كدوث qui est contrairement justement au principe de la plateforme de la Soumam, de la révolution de la Soumam, qui est basée sur la démocratie. Mais oui, il y a tellement que le chemin avec des chars, avec des armes, donc tout un intérieur lourd. Alors, Saïd Saadi, il a parlé, le mot qui caractérise ça, c'est hypocrisie. C'est-à-dire les responsables de Adan, qui sont morts depuis 62, c'est de l'hypocrisie. Ce sont des gens qui se contredisent et qui s'amènent sous forme de l'offre. Donc, le mot qui résume le règne de l'Insan, c'est de l'hypocrisie. Et il y a l'hypocrisie,
il s'applique pas seulement juste au système militaro-policier. Il qu'arrache midaran et toi Bagdaran pour son frère jumeau, qui sont les islamistes. L'islamiste. Donc les islamistes, ça dit quoi? Ce sont des frères jumeaux. C'est-à-dire des méthodes, un système entouré, c'est vrai. À travers le système actuel, il est protégé par les islamistes. À chaque fois, les agences avec les islamistes pour pouvoir contrecarrer justement l'alternative démocratique. À travers le système de gouvernance d'ailleurs, amad l'armée, amad wihi lan hkmen, amad les islamistes, ou le sahara mchens. À Hatar, avec d'autres, d'ailleurs, il aspire pour la démocratie. Donc, une fois la démocratie est installée, une fois de bonnes bases sont installées, une fois que tu as installé de bonnes les institutions qu'il faut, une fois que tu as une fois que tu as une certaine prise de conscience, Chab a dit la seule voie qui reste pour sauver ta mort, il a Machi, machi ni de l'islamisme, ni un système militaro-policier. Il a tout le monde. Il a défendu justement la congrégation. Et c'est pour ça, arraché justement, le système algérien, le système politique algérien, il règle le Qarn. Il veut occulter la plateforme de la Souma. D'ailleurs, même hypocritement, malheureusement, le 20 août, donc, à Ifri, il y a de la récupération de la part des islamo-conservateurs. Et d'ailleurs, même l'Ayoun, il a osé lever une pancarte à Nirsizdachan, la liberté pour Ali Belhaj. C'est-à-dire, c'est une agression, c'est la mémoire souillée à la Souma, à l'encontre de la mémoire de Abban, à l'encontre de Mehidi, à l'encontre des véritables révolutions qui ont été mises en place, alors que l'Inde, justement, malheureusement, a racheté, c'est que, avec la complicité de ce qu'on appelle les audios utiles à faire de la Sna Rachid, les islamistes, ils ont dit Chmni ou Khan, la Kabylie, c'est le seul rempart qui reste encore contre l'islamisme, la Kabylie, même à l'échelle de l'Afrique du Nord. Donc, Zaram Belli ou l'Izmir, il est l'instauration de l'islamisme en Algérie tant que le bastion de la démocratie, le bastion de la lutte démocratique. Alors malheureusement, là la trahison de la part de certains pseudo-démocrates qui sont venus et qui ont ramené ces charlatans, qui ont ramené ces charognards et pour pouvoir souiller la mémoire de Abban, souiller la mémoire de tous ceux qui ont lutté pour la libération de Zaïre. Donc arraché très important, déjà on a souligné dans nos omissions, attention, il y a des gens qui veulent vendre la Kabylie pour l'islamisme. C'est important, c'est une alerte qu'on devrait tous prendre conscience. Et d'ailleurs, même Saïd Sadi, justement, il a déjà alerté à plusieurs fois le danger de Rachad, le danger des islamistes, le danger des acteurs politiques, le danger des idéaux utiles. Oui, il a qu'il m'a et oui, il a dénoncé Yon, à Khatar Machit Rufit Wakbalun. C'est un danger mortel et où Douara Ansusen, la Kabylie doit être protégée par rapport à ce poison qui s'appelle l'islamisme. Et le populisme aussi, c'est aussi un danger pour la démocratie. Donc, c'est justement. زران بلي سايت ساتي دارانت اللي زران بلي لي اسلاميست اللي كل زمرنا نبقى نهضر نهضر لي زاني 90 اني زمر السنين الديمقراطيه كفر اني ils vont exposer leurs idées folles les années 90 ils ned بلي باسكو اسا و لي زمر الديسكور لي زاني 90 ني غير تو يستخدم الفيس ند اسا و سعر امشان يونس لي تحسيس اي اي او ميم طون اي سي با رونتابل دونك Saïd Saadi, justement, il a parlé les islamistes, par exemple, font juste le principe de la primauté politique sur le militaire, donc l'état civil et non militaire. Il n'y a pas d'autres valeurs, les valeurs démocratiques, il n'y a pas d'autres valeurs démocratiques, il n'y a pas d'autres valeurs démocratiques, ils ne sont pas dans le congrès, dans la plateforme de la Souma. Donc, tout ce qui est en relation avec la démocratie, parce que le congrès de la Somme, il se dit clairement que ce n'est pas la restauration de la théocratie révolue. Donc, donc dans la plateforme de la Somme, il y a le projet somamien, il se dit que le Zaire militaire, ce n'est pas une théocratie,
c'est une démocratie, c'est une république sociale. Donc, oui, d'accord, les islamistes vont irnimensin, c'est comme si, donc juste à jouer contre, soi-disant, les militaires, et en même temps, même l'état civil et non militaire, civil, c'est la valeur qui est importante, parce que civil, c'est la civilité, citoyenneté, donc égalité de droit, et donc et ça veut dire ça exclut, donc parce que la relation avec la citoyenneté, donc ça exclut la théocratie dans le mot civil. Voilà Rachid Soumata, à chose de dire, ou une fouscée. C'est ça, Kamal. Ça fait que ça qui est non à l'état militaire, oui à l'état civil, c'est un peu l'indu en erreur. Je crois que la carte est non, oui à l'état civil, non à l'état militaire ou policier, théocratique aussi. Parce que c'est très important de mentionner le mot théocratie, c'est très important. Mais Marraché, dans la plateforme de la SOMAM, il risque d'avoir la précision que ce ne sera pas la restauration d'une théocratie révolue, c'est-à-dire à Delwakis. Voilà, exactement. Il risque de préciser. C'est-à-dire juste que la plateforme de la SOMAM n'a de la primauté du politique sur le militaire. C'est-à-dire que ça amène l'état civil, les islamistes l'ambiguïté par rapport au terme civil. Mais et sinon, la plateforme de la SOMAM, il ne peut pas être une théocratie. D'autrement, ça veut dire que précisément la comité de la civile sur le militaire, mais pas plus, mais dans la charte, ils l'ont explicité davantage, mais elles ne sont pas bâties sur un état théocratique. Mais tout là, avec les confusions qui restent, parce que le jeu malsain qui est en les préalables démocratiques, ça veut dire quelque chose. Marachad, Samir Blarbé, Boumel et la compagnie, ils ne veulent toujours pas parler des préalables démocratiques. Comme Kathleen, tout ce qu'il y a. Ça veut dire, la carence, quoi que la carence, donc les slogans n'insiques, et la carence de la carence, on soit plus explicite, non à l'état militaire, policier et théocrate aussi. C'est très important. La revanche de l'histoire. Oui, il faut déjà à travers même le titre et la contribution Yis, la revanche de l'histoire. Il va être justement la plateforme de la SOMAM, le congrès de la SOMAM, en tant qu'événement. Il n'est pas la SOMAM, rare, il est si laïque, ça veut dire il est pour la séparation du politique du religieux. Il a une dimension un petit peu, un petit peu religieuse. Dans le sens, il n'est pas la SOMAM, c'est comme ce temple de l'Antiquité habité par des divinités. Les puissants qui les violent sont frappés de malédiction. Les principes de la Soumam, et quelque part, c'est-à-dire restaurer quelque chose. Malgré que c'est pas un peu rationnel comme propos, mais c'est un petit peu une sorte de quelque chose qui sort du rationnel autant que le langage. Mais ça dit d'ailleurs par rapport à l'histoire, c'est comme si Boussouf, Al-Mid Boutflika, Nadis Belad, Nabi, Boumdien, Kafimra, ils ont diabolisé l'événement. Ils ont diabolisé l'événement, Ahmed, le principal architecte qui est Abban Ramzan, parce que Karastan, il y a une date, je ne sais pas, je l'ai lu dernièrement, Zamil Abad, historien, il n'est pas la Soumam, il n'est que c'est une. Sort d'un reversement contre l'islam. C'est des propos, pas d'un historien, ouais, c'est un propos d'un charlatan. C'est n'importe quoi. Alors, donc justement, Saïd Sadi, Ibrahim Dini Bli, Hirawindi Touchi, et la mémoire de la Soumam, et Karaki Amidili, il s'est dit quelque part. Alors, il fait d'un événement, il n'est pas le 27 décembre, enfin, 27, le 62e anniversaire de l'assassinat d'Abban Ramzan. Il n'est pas lié à tous les jeunes qui refusent le portrait d'Abban Ramzan et qui justement adviennent
ils se reconnaissent dans le projet d'Abbas. Oui, on est dans certaines niches, mais les dictateurs ni Abdan, Ahmed Gomtian, Ahmed Boussouf, Ahmed Ben Bella, ils nous les refait le portrait. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est la revanche de l'histoire. C'est-à-dire, malgré que les dictateurs ni Abdan Mera, ils ont combattu la Souma, ils ont combattu Abdan autant que mort, mais ils n'ont pas l'histoire, mais c'est une revanche. Il a fait sa revanche parce que il a poussé des jeunes, il a poussé toute une population à sortir, à brandir les portraits d'Abdan Ramadan, une manière de le réhabiliter. Il n'est pas réhabilité d'une manière officielle, mais il est réhabilité par le peuple parce qu'ils reconnaissent les vrais héros de l'histoire, les vrais combattants, ceux qui ont travaillé réellement pour l'intérêt de l'Algérie. Donc c'est pour ça que ça a dit, il a parlé de revanche de l'histoire et en même temps, ses adversaires politiques même à Smith-Tour, il a eu et il a eu justement le projet de la Soumam en 57, en quelque sorte, à Médili, ils étaient condamnés par le peuple et ils étaient condamnés par l'histoire. C'est une bonne constatation. Nous avons عدنا يكو يقدني قا يكفن ثم وثم بن بلال ما بوم دينا ما شد لي ما ويا أوكان بوتينسن عبنا نظن بون البوتينسن ينس وكيا اللي سبقنا بالليل أغرف وتشويا أنا مزروي اللي تجرا يزرع ده شو ذن ويكس وان ذن وان سويا ذن شكر يا ويني يا شخص سيد تدون كمال دكتور سعيد سعدين ينك بالليل صمام نتساث إذ الدوح انت الجزائر فثغال في ديلولون دي 20 اغسطس 56 ذا شو في صوتنا ديني يمسلينا ميغا ذاكي مزمات ديني 100 الى دي كو سو ميم سي لو بيرسو دو لالجيري مودرن ني اون 20 اوت 56 كومون ايت اريفي ا سيت كونكلوزيون ا كمال alors ça ça dit justement une aide la somme بلي الدوح من الجزائر فثرار خاطر justement les dames modernes de l'Algérie est constituée en 20 août 56 à la Soumam. Donc, la Soumam, il a dit que les adversaires, même les adversaires, même les colonisateurs français, ils ont assis le projet de la Soumam, le texte, ils ont dit que les adversaires sont floués. Donc, l'indépendance est inéluctable. Donc, c'est pour ça qu'à partir de 1956, le colonialisme français, ils rappellent le peuple algérien déterminé, ils rappellent la révolution est structurée, et donc il ne peut que reporter juste l'indépendance de Zaire, mais ils rappellent le Zaire à Tawif et Montis. Malheureusement, le projet de la Soumam, M'tallaf, Glekker, donc en Égypte, une année après, donc en 1957. C'est à partir des valeurs de la Soumam, que ce soit le patriotisme, l'humanisme, même l'universalisme, la Soumam, c'est les valeurs qui vont nous honorer et qui vont nous honorer et on va agir Adnili comme des citoyens libres. Donc, c'est comme si la Soumam, c'est, on peut dire, le centre de rayonnement de tout un espoir et pour y aller vers la création d'un État algérien moderne. Donc, Washid Birna dans Saïd Saadi, Fénichouddin et la Soumam, Dahadaka Amidili, Saïd Saadi, Ibdrid, la déclaration. D'un historien rapporté par l'APS, donc l'APS qui est un organe de presse, de communication rattaché au pouvoir directement,
يسوه من سعيد سعدي ينت باللي تدير ستاشوا ينت باللي بوليتيك لور دو سونس اي واش خاطر الارتيكل اللي دي وسان 18 اوت لا بي اس يرسد باللي l'historien Karanas Mohamed de Corso, il n'est de l'école de la Soumam à baliser les chemins menant à la restauration de la souveraineté nationale et indiquer la marche pour une Algérie future, ajoutant qu'il n'y a pas d'histoire sans source, sans archives. D'ailleurs, ça dit, il n'est de l'école, le fait de donner la parole à un historien et non pas aux institutions de l'État, justement, c'est un choix qui a lourd de sens. Est-ce que Adabou Zayer, il commence à comprendre Bli ou Zmir Tiroulet, il congrès de la Soumam, Bli le congrès de la Soumam, on peut s'inspirer du texte et de reconnaître cet événement qu'il a participé pour l'indépendance de l'Algérie. Donc, il s'est posé la question, Bli, est-ce que c'est un revirement de la situation? Et en même temps, de toute façon, vraiment, c'est-à-dire le fait de faire parler un historien et rapporté par la PS, qui est un organe de rattaché au gouvernement, il n'est plus un choix politique lourd de sens. C'est-à-dire, c'est comme si la question qui se pose, est-ce que le pouvoir d'ailleurs, il va commencer à reconnaître le 20 août 56, n'est juste quand ils ont fait parler un historien, il a dit la vérité, mais toujours politiquement, il y a un blocage. Donc, la Dakar Rachid, le futur en Dess Lakhbar, mais elle a toujours le pouvoir d'ailleurs, il continue dans son reniement d'un événement important qui a donné la naissance à Ithmourt d'ailleurs, il est algérien, toujours. C'est le futur de l'insens, la fatigue de l'insens, c'est le futur de l'insens. A Karachet, je me dirais aussi. Je me dirais aussi. أمي ذي ليد المفتاح باش يودي فهمي وانا تاسم تلوفا غير ميم طون اديو فيو انتيريريين غير يفاس بروجيتي دون الفوتو وذا غونت ذي ديكسيون تم سيرت وي سنات باللي غار يبغوا يفريي ولا مزرول ذيق الحاشا مداين يدفا 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 وحدس الشعب ذي وطا ذي سعود في ذات غار بغونا تفرن ام يخدمن في عبان رمضان يخدمن في الكونغري ديال السومام اللي خمن في تلوفا النيطان ادفونت تلوفا وذا غونت زعما كي يقول اديكسيون بلي جوستمون الكونغري ديال السومام يسعى سو كاركتير يونيفرسال دي فالور خاطر ويد دي فالور كي سون يونيفرسال داخل اما لا لايسيتي اما توكدوث اما الطاس نتغاو سيوين نشود ني توكدوث اي كي سون دي فالور يونيفرسال وذا غنت سما الكونغري دو لاسومون دانت فرانت فلوفا بلي سا با ات تيوكراسي اون الجيري خاطر ويديك ني نوغن ويديك ني موثن موثن بور ان ريبوبليك ديموكراتيك اي سوسيال دونك لا تيوكراسي اي ديفينيتيفمون ترونشي مي ماذا شو اسا مالوريزمون لان ويديك ني لان مازال عاد تيل فير ريميتر اون كوز لا ناتور دو ليتا الجيريان لان مازال عاد ويديك ني بغاني يروح فير لا ريغريسيون et où des roches à discrimer, qui me semble discrimer la religion à des fins politiques. Vous savez que, machin telouf ni toi qu'belun, machin telouf ni ouid bissous miouen, à khatar l'zayer, il mérite mieux, il mérite une démocratie, il mérite d'opter pour un système de gouvernance un peu moral netan, et où qu'en l'zayer a t'roche à t'aider justement un état moderne. Un état de la modernité, où justement la révolution du 22 février 2019, aussi c'est une révolution de la modernité. Ça veut dire qu'il y a une séparation claire et nette entre un langage objectif, rationnel, le rationalisme, l'objectivisme, l'annihilation, c'est la raison qui arbitre, qui dit que Mohamed Arkoun, et l'obscurantisme, et le traditionnalisme. واحد في لوفان تقديمين دونك يويد يون
justement éditerions les leçons de la modernité dans la plateforme de la Souma. وذاعت في دينيون بلي اسد غن مازال لا بلاتفورم دراسوما سوما نزمرا غنتسلي نروح عند نكس اترافير سوني ليسبري دو لا سوما نزمري نكس بلاص نطغاو سي وين يمكن نزمر نبنو الجزائر وزكا دونك تمريت تفاف نسيرم الجزائر وزكا وذا غنت ذا شو زمري دينيون وذا غنت تنشيد دينا انش نزرا l'analyse ils la vigilance par rapport à la question de l'islamisme. Donc toujours de Mahadra ou là où Nili justement le 20 août à Ifri, l'envoyer ni justement l'espace la tribune de Ifri, ils vont demander la réhabilitation politique d'un islamiste, de quelqu'un qui a appelé pour assassiner d'autres Algériens et responsable de la tragédie Zaïre les années 90. Donc, c'est un dérapage et ce n'est pas normal. Il faut dénoncer ça. Et c'est pour ça que la vigilance, dans sa contribution, la vigilance s'impose aussi à Khatar. Mais la vigilance, les mêmes erreurs. Et c'est pour ça que l'histoire est importante, parce qu'on ne va pas refaire justement les mêmes erreurs. Et surtout, à dire justement, il va s'unir pour combattre l'islamisme. Et bien sûr, le combat contre le pouvoir, ça, c'est depuis 62. Mais je suis bien d'arbel. Il vient de mettre le Kabyle, il est contre le système, mais le contre le pouvoir. Mais il est sur le danger de l'endroit, c'est la question de l'islamisme. À Khatar, l'islamisme est un poison. Et l'islamisme est un poison, on pourrait dire mondial. C'est-à-dire, je suis bien mort le Zaïre, il est mort le Kabyle, il est concerné. Mais il est sur la Kabylie, il résiste encore par rapport au fascisme islamiste. Donc, il veut dire la convergence des forces qui existent en Kabylie. Il veut dire de prendre au sérieux la question de l'islamisme. C'est une réalité. Il ne faut pas dire que la Kabylie est immunisée éternellement. Non, la Kabylie doit veiller, doit se converger et doit préserver cet espace démocratique. Et lorsqu'on parle de démocratie, tout ce qui est théocratique, tout ce qui est islamisme, tout ce qui est fascisme, tout ce qui est obscurantisme, tout ce qui est totalitarisme, pour l'Israël, c'est la Kabylie. Et c'est pour ça que les forces, les acteurs et l'élite ils sont interpellés et l'espoir va les condamner si on va sous-estimer le danger de l'islamisme. Ou ça, la trace, la preuve, ils ont osé et ils vont demander la réhabilitation d'un terroriste, d'un islamiste et de quelqu'un qui est responsable de la tragédie Zaïre des années 90. Donc, au Diwara Yona Dissous Miyouan. C'est un point très important. Et oui, nous avons pour sensibiliser à l'islamisme n'a pas sa place en Kabylie et le système est responsable aussi de ça parce qu'il laisse faire et qu'il va bloquer le projet alternatif qui est le projet démocratique. Et je répète, justement de la Kabylie qui incarne le projet démocratique et le pouvoir faire tout pour éviter à ce que le projet démocratique va être propagé à l'échelle nationale. Et donc c'est pour ça que pour le bloquer, les populistes, les islamistes et bien sûr avec la complicité de Boulzer. أكا راشد أشوز مريون الدكسيون تيم سيرين في لا كونتريبيسيون سايد سعد تنميت كمال تنميت كنوي غير اللي قيمة نيزنا سالم لي هو كتسدو النظام ودينا قيمة هذه ثلوث